Nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous voulons t'acclamer, nous voulons te célébrer, roi de gloire. À toi la louange, à toi l'exaltation. Braille Chandara da Bros, Kerebobo Shirebara la Karababaye. Braille Glory en Nagara la Sondoro de Bosch. Braille Glory en Abradi Chandara da Bosch. Braille Glory en Abradi Satara da Bosch. Nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, Jésus, nous t'accueillons, Seigneur. Prends la place du roi, 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 Seigneur. Prends la place du roi, Jésus. Prends la place du roi, prends la place du roi, prends la place du roi, Seigneur. À toi la gloire, la louange, l'exaltation au ciel des siècles, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci, Père, pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour ces instants. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour cette série d'enseignements sur les mises en garde. Merci pour celles-là que tu vas nous donner d'aborder en ce jour. Ces enseignements, Seigneur Dieu, sont délicats. Accorde-moi ta grâce, ton esprit, ta force pour parler de toi. En fait, Jésus, chaque fois que nous allons parler de toi, c'est délicat parce que c'est ta parole. Et ta parole, la vraie, donne la vie. Mais celle qui vient de nous-mêmes ne transporte pas la vie. C'est la raison pour laquelle, Seigneur Dieu, que je me taise. Et que toi tu pars, que ta voix soit entendue, car c'est ta voix qui guérit, c'est ta voix qui transforme. Dispose nos cœurs pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On bénit le Seigneur pour Kodesh Choir. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Mercredi dernier, amen, nous avons étudié la deuxième mise en garde. Aujourd'hui, nous allons toucher la troisième. Mais juste pour réviser, qu'est-ce que la première mise en garde nous a dit? Que personne ne sache. Durant cette mise en garde, nous avons parlé de l'importance de la parole, de l'importance des informations qui doivent sortir de notre bouche. Si nous parlons trop tôt, d'une certaine façon, certaines choses que Dieu nous met à cœur, ces choses-là peuvent mourir avant même d'être manifester, que le Seigneur a mis donc ses disciples en garde en disant: prenez garde que personne ne sache. Je rappelle donc pour ceux aussi qui nous prennent en marche que le terme, les mises en garde de Jésus sont simplement basées sur la parole de Dieu, un ensemble de versets où Jésus-Christ dit à ses disciples: prenez garde, faites attention, faites attention. Certaines fois il va jusqu'à dire avec même sévérité, il leur dit, il leur fit des recommandations avec sévérité. Et je vous ai dit chaque fois, donc depuis que nous introduisons cette série, que toute la parole de Dieu est importante. Matthieu chapitre 5 verset 18 à 19, Apocalypse chapitre 22 verset 18 à 19 nous disent clairement: rien ne doit être rejeté dans la parole de Dieu, tout doit être, tout, on doit tenir compte de tout, on ne doit même pas mépriser ou rejeter le plus petit principe, le plus petit commandement. Alors si tous les commandements sont importants, pourquoi est-ce que le Seigneur va insister pour dire concernant ce principe-là particulièrement: prenez garde, faites attention? Tout simplement parce que toute la parole est importante, mais il y a des points qui sont majeurs, alléluia, pour lesquels nous devons prêter particulièrement attention. Pour connaître les mises en garde, c'est très simple. Il faut prendre votre Bible et chercher tous les passages où Jésus dit: prenez garde, prenez garde, prenez garde, prenez garde. Tout en étant conscient que ce qu'il a dit avant et après sont aussi des choses importantes, parce que tout ce qui sort de la bouche du Seigneur est important. Alléluia, il faut prendre garde à tout ce que Jésus dit. Maintenant Jésus dit encore: prends garde. Ça veut dire qu'il faut faire encore plus attention à ce dont je suis en train de parler. Donc la première mise en garde, c'est celle-là. Jésus-Christ a dit: prenez garde que personne ne sache. La deuxième mise en garde, on a regroupé tous les versets où Jésus dit quoi? Prenez garde à ce qui vous entendez. Autrement dit, prenez garde au type d'information que vous recevez en vous. Prenez garde, alléluia. Le Seigneur nous a fait comprendre que, quelle que soit notre bonne volonté, les choses que nous entendons nous affectent, ont une influence sur notre vie. Alors nous devons faire attention aux choses que nous laissons entrer dans notre entendement. Si vous voulez donc développer plus cela et savoir vous organiser en fonction de ces différentes mises en garde, je vous exhorte à vous procurer les CD des précédentes mises en garde. Aujourd'hui, nous allons toucher la troisième mise en garde. Alléluia.
La troisième mise en garde. C'est une mise en garde sur laquelle Jésus revient souvent. Les apôtres aussi en ont parlé. Pratiquement tous les évangiles reviennent sur cette mise en garde particulière. Alléluia. La Bible nous dit en ce qui concerne cette mise en garde que vers la fin des temps, autrement dit à notre période là, vers la fin des temps, cette mise en garde sera beaucoup plus d'actualité. Il faudra faire beaucoup plus attention. Tout simplement parce que le diable va être conscient qu'il a peu de temps et il va essayer de convaincre le maximum de personnes de le suivre. La troisième mise en garde, je dis ceci, c'est que personne ne vous séduise. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Que personne ne vous séduise. Alléluia. Donc cette mise en garde à elle seule va parler donc de tout ce qui est mouvement de séduction en ce qui concerne la parole de Dieu. Donc à l'intérieur, il y a beaucoup de sujets. Je ne pense même pas que nous puissions aujourd'hui seulement aborder tous les aspects de la séduction. Alléluia. Matthieu chapitre 24, verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alléluia. Donc voici le thème, prenez garde que personne ne vous séduise. Jésus te dit de faire attention parce que tu peux être séduit. Amen. Donc prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Luc chapitre 21, verset 7, il est dit. Ils lui demandèrent, maître, quand donc cela arrivera-t-il? Fin de parenthèse, ça c'est concernant la fin des temps. Quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom disant c'est moi et le temps approche. Ne les suivez pas. Amen. Je veux que vous compreniez que Jésus est en train de dire ça aux 12 apôtres. Ce n'est pas des petits chrétiens. Des personnes qui sont censées porter la parole, Jésus s'arrête devant et puis il a dit prenez garde que personne ne vous séduise. Vous la faites attention. Vous avez marché avec moi, c'est vrai. Vous m'avez fréquenté, vous m'avez suivi, c'est vrai, mais prenez garde de n'être séduit. Matthieu chapitre 24 encore, verset 11, je lis quelques versets, verset 11, verset 23, verset 24, verset 25, il est dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 23 de Matthieu 24, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Amen. Marc chapitre 13, verset 21. Jésus dit encore, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles. Pour séduire les élus, si cela était possible, s'il était possible. Verset 23 de Marc 13, soyez sur vos gardes. Est-ce qu'on peut dire ça encore ensemble? Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Alléluia. 1 Timothée chapitre 4. Alors là, on va toucher maintenant quelques passages où les apôtres aussi abordent le même sujet, la même mise en garde. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils spirituel Timothée. Il dit ceci. Mais l'Esprit dit expressement, c'est-à-dire l'Esprit insiste. D'habitude, le Saint-Esprit parle. Mais là, le Saint-Esprit dit expressement, avec empressement. Il dit, faites attention, faites attention, faites attention, faites attention. Donc, le texte dit, mais l'Esprit Saint dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons et à des esprits séducteur. Alléluia. Je reviens encore dans l'évangile, Marc chapitre 12, verset 38. Il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et être salués dans les places publiques. Tous on va parler de cela. Ah, ça vous fait rire? Effectivement, il faut rire. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui aussi. Amen. 2 Pierre chapitre 2, verset 1, il est dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes
il y aura de même parmi vous de faux docteurs. C'est Pierre qui parle. Il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura, ce n'est pas peut-être. Il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Lorsqu'on dit quelque chose est pernicieux, ça veut dire que c'est subtil, ça veut dire que c'est malicieux, ça veut dire que ce n'est pas clair, c'est flou, c'est une séduction subtile. Donc, ils introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Amen. Colossiens chapitre 2. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc voilà l'apôtre Paul qui dit aux Colossiens encore, prenez garde, prenez garde, prenez garde. Je vous assure, c'est énorme lorsque vous répertoriez la mise en garde concernant les séductions, les mises en garde concernant la séduction des faux prophètes et des faux docteurs. C'est extraordinaire de voir le nombre de fois où la Bible revient sur ce sujet. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Amen. Alors, si vous avez remarqué, j'ai lu un peu rapidement, mais on va revenir un peu en détail sur des points. Dans la mise en garde, que personne ne vous séduise, le Seigneur Jésus cite plusieurs catégories. Il parle, il dit, prenez garde des faux, aux faux docteurs. Donc, il y a ceux qu'on appelle des faux docteurs. Prenez garde à ceux qu'on appelle des faux prophètes. Si vous avez bien suivi, il dit, faites attention, il y aura des faux prophètes, il y aura de faux docteurs. Il dit, certains vont venir avec des esprits séducteurs. Donc, lorsqu'on dit un faux docteur, tu vois l'individu. Lorsqu'on dit un faux prophète, tu vois une personne qui est fausse. Un faux docteur, tu vois quelqu'un qui raconte des choses qui ne sont pas vraies. Un faux esprit, tu ne le vois pas. Un esprit séducteur, tu ne le vois pas. C'est une mentalité, ça peut être, comme on dit, l'esprit de la mode, c'est une tendance qui peut être transportée par des individus, mais c'est une tendance, c'est un esprit. Un esprit, c'est comme le vent, c'est l'esprit du monde, c'est un ensemble de choses. Donc, ce n'est pas forcément marqué par une personne. Il y a des personnes qui sont influencées par cet esprit, mais ça peut être un mouvement général. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et puis, il nous parle aussi des faux conducteurs. Hein, le texte qu'on a lu tout à l'heure, donc prenez garde aux scribes, aux pharisiens, voilà, qui aiment à se promener dans de grandes robes, des gros chapeaux, tout ça là pour dire que, enfin pour être salué dans les places publiques. C'est-à-dire qu'ils arrivent à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Jésus dit, ça, faites attention. Amen. Amen, amen. Je ne parle pas de quelqu'un, je parle de la parole de Dieu. Frère, vous savez, lorsqu'on a tous lu ces passages, mais souvent, chacun se sent tellement serein en Dieu qu'il a l'impression que ces textes-là concernent d'autres personnes et que lui, il ne peut pas être victime. Ça veut dire, son amour pour Jésus, son attachement à Jésus va le rendre ininfluençable, il va l'amener à être intouchable. Le deuxième voisin dit, ton Dieu te dit de faire attention. Et lorsque Jésus s'est mis à enseigner cela, il ne parlait pas à la foule, il parlait aux disciples, aux apôtres. Et vous allez vous rendre compte que la mise en garde était de taille. Dans le livre de Galates, l'apôtre Pierre s'est laissé influencer par un faux esprit. Il est arrivé, donc un esprit qui l'a amené à être hypocrite. Il y avait une tendance actuelle, c'était un mouvement qui était dans l'église. Et Pierre est venu, Pierre a repris l'apôtre Paul, il dit, ça, c'est pas par l'esprit que tu marches. Et l'apôtre Paul a repris, pardon, Pierre, il dit, ce que tu fais, ce n'est pas par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Bon, Pierre, je crois, il s'est repris. Il a compris. Amen. Donc, il faut faire attention. Ne vous croyez pas invulnérable.
Et ne sous-estimez pas ce principe-là. Parce qu'on se laisse beaucoup séduire. Et quand je vais toucher, donc je vais toucher les faux docteurs, les faux prophètes, les faux esprits. Et aujourd'hui, je vais commencer par les je n'ai pas dit les faux esprits, mais les esprits faux. C'est-à-dire des esprits qui se manifestent, mais qui ne sont pas vrais. Et aujourd'hui, je vais commencer par les esprits faux. On va juste le dire. Une fois qu'on a compris le principe général des esprits faux, on comprend mieux la suite. Je veux qu'en toute chose, nous appuyons sur la parole de Dieu. Et qu'au sorti de cela, vous soyez des hommes et des femmes affermis dans la parole du Seigneur, prenant garde. Alléluia. En toutes choses. Amen, amen, amen. Lorsqu'on parle d'esprit faux, on parle d'un certain mouvement qui peut même atteindre les. Tu peux être un bon chrétien qui vient à l'église, mais tu agis, tu parles, tu fonctionnes sous un faux esprit. Lorsqu'on dit un faux esprit, ne voyez pas seulement des démons. C'est pourquoi je peux un esprit faux. Un esprit, c'est aussi. Un démon est un esprit, mais un esprit est aussi une mentalité. C'est aussi une manière de concevoir. Un esprit, c'est une tendance. On va parler de l'esprit du monde. On va parler de l'esprit de maman. Donc, quand on dit quelqu'un est influencé par un esprit, ce n'est pas forcément que cette personne-là est possédée. On verra ce passage dans le livre de Luc, chapitre 9, par exemple. Luc, chapitre 9, à partir du verset 52. Luc 9, 52, la Bible dit, « Jésus envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bouc des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et le consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allaient dans un autre bourg. Amen. Donc là, on est avec les disciples de Jésus. On est avec les apôtres. Jésus envoie les apôtres dans un endroit et on ne les reçoit pas. Donc lorsque Pierre et les gens ils sortent de là, ils sont en colère. Ils disent non, est-ce qu'ils savent qui tu es, Jésus? Est-ce qu'ils savent qui tu es? Est-ce qu'ils savent qu'ils ont affaire au roi des rois? Pourquoi ils ne te reçoivent pas? Seigneur, tu es puissant. On va invoquer le feu pour les brûler. Après ça, ils vont te respecter. Dans ce pays, il faut qu'on sache qui est qui. Jésus se retourne vers eux, il les réprimande et leur dit ceci, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Écoutez, en ce moment, les apôtres n'étaient pas possédés. Mais ils étaient sous l'influence d'une certaine tendance, une manière de voir. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui fonctionnent avec ça. C'est un esprit, mais ce n'est pas, c'est un esprit qui est faux. Ce n'est pas une affaire forcément de possession. Et un esprit qui est faux peut être dans toutes les églises. On est là en train de prier. Il peut avoir à base d'honneur un faux esprit. Oui, non, quand on parle des fausses doctrines, la mise en garde de Jésus, ne voyez pas ça en termes de communauté, de dénomination. Le Seigneur dit, ils sont sortis du milieu de vous. Il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura au milieu de vous. Donc c'est dans l'église, ça peut être dans la communauté. Il ne s'agit pas de cataloguer un groupe pour dire voilà les faux prophètes, voilà les faux docteurs. Ça, c'est fini. C'est fini. Ils sont partout. Donc, ces gens qui sont là, ils sont en train de marcher avec Jésus. Donc, il y a un faux esprit qui est sur les disciples de Jésus pendant que Jésus est là. J'ai dit, ne voyez pas que lorsqu'on dit Jésus n'a pas fait la délivrance. Il n'a pas dit venez, venez. Là, si vous êtes en colère, c'est que vous êtes possédé. Mettez-vous à genoux. Au nom de Jésus, démon sort. Il a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un esprit peut influencer vos idées. Donc, l'esprit de la colère, qui est un esprit qui agit dans le monde aujourd'hui, qui conduit quelquefois certaines personnes dans leurs prières. Voilà. Donc, tu es un bon frère, tu marches dans la parole de Dieu, mais tu apprends que ton oncle est sorcier. Ou tu apprends que la sœur tend t'a critiqué, qu'on t'a fait mal. Et sous la colère, comme les disciples, tu t'élèves dans le nom de Jésus, que le feu du jugement vienne entre elle et moi et que Dieu tranche qui est qui. Si Jésus était là, il t'aurait dit, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner les gens, mais il est venu pour les sauver. Est-ce que ce n'est pas des choses que vous entendez chez des bons frères?
Est-ce que pour autant ces personnes qui parlent ainsi sont des faux chrétiens? Non, ce sont des bons chrétiens. Mais c'est un esprit. Ils ne sont pas possédés. Mais ce n'est pas la façon de fonctionner de Jésus. Jésus ne maudit personne. Jésus ne va jamais invoquer le feu contre un individu. Mais on peut être chrétien et parce qu'on a été frustré, comme les apôtres qui ont été chassés, ça leur a fait mal. Ils vont leur dire, sortez du village, sortez, allez-y. Ils disent, pourquoi tu nous chasses? Quand ils sont arrivés, ils étaient en colère. Que Dieu se souvienne de Jésus. En faisant une prière, ils vont comprendre. Quand on ne joue pas, Jésus dit, je ne suis pas comme ça. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Donc lorsque je parle d'un esprit faux, ça peut aller jusqu'à donc une simple influence d'une fausse conception qui nous incite à faire certains types de prières, à marcher avec Dieu. Vous allez voir que ce n'est pas seulement dans ce cas, ça existe dans beaucoup d'autres aspects et on peut être influencé par cela et ne plus agir comme le Seigneur Jésus aurait voulu qu'on agisse. Donc vous pouvez aller donc de cette tendance d'esprit faux jusqu'à des esprits qui vont jusqu'à la possession même. Vous êtes, quelques-uns sont possédés. Donc c'est le même mouvement des esprits faux qui va donner des faux prophètes, parce que lorsque quelqu'un est faux prophète, qu'il est diplômé, agrégé dans son faux prophétisme, là très fort probablement le Saint-Esprit n'a plus place, il est agité par un démon. Si son cœur est disposé, là on peut faire une délivrance. Donc ça peut aller de la simple influence à la possession démoniaque. Est-ce que nous sommes ensemble? Donne amen à la parole du Seigneur. Donne amen à la parole du Seigneur. Ok. Alléluia. Donc aujourd'hui on va parler des esprits faux. Si le temps permet, on touchera d'autres points. On en a plusieurs. Plusieurs sortes. Je ne peux pas les énumérer. Une chose est certaine, c'est que ce qu'ils vont vous demander de faire ou certains types d'influence qu'on peut avoir qui n'est pas inclus dans la mentalité ou dans la façon de faire de Jésus. Donc pour discerner, on va voir comment on discerne, c'est que la manière dont la personne procède, ce n'est pas la façon dont Jésus fonctionne. C'est-à-dire quand tu regardes la vie de Jésus, tu ne retrouves pas trop ce caractère dans sa façon de faire et dans sa façon d'être. Et on a plusieurs types de caractères qui sont différents de la manière dont Jésus fonctionnait. Quelques-uns peuvent trouver des arguments pour justifier leur action. Mais ce n'est pas, si vous êtes honnête, vous allez voir que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Un des esprits qui agite beaucoup les chrétiens et dans le monde évangélique aujourd'hui, c'est l'esprit de Mammon. Mammon, l'argent. Prenez garde que personne ne vous séduise. Vous savez, les séductions des placements d'argent et autres, ce sont des séductions. Ce sont des séductions, ne badinez pas avec ça. Ce sont des séductions qui arrivent. Elles ne vont pas jouer, elles ne vont pas faire en sorte que vous partiez en enfer. Mais elles vont faire en sorte que l'argent que le Seigneur a mis à ta disposition pour financer le royaume de Dieu, pour faire avancer, pour t'occuper de ta famille, parte dans n'importe quoi. Et tu rentres, tu mets, livret, le poison dans les finances du Seigneur dans ta vie. Et ça te fait perdre des fruits, ça te met en retard. Donc les faux esprits ne vont pas venir simplement pour mettre en cause votre salut. Mais ils vont vous faire rater le but, perdre le temps, tourner en rond. Et l'esprit de Mammon est un esprit qui a séduit beaucoup d'églises. Moi-même, j'ai failli être victime, sinon j'ai été victime de Mammon. Mais je crois que Dieu m'a fait grâce. L'esprit de Mammon, c'est devenu une tendance à la mode. Avec des prétextes qui ne sont pas ceux de Jésus. Des arguments qui ne sont pas ceux de Jésus. C'est l'amour de l'argent. Sans l'argent, on ne peut rien faire. Jésus dit ceci en Luc chapitre 16, verset 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Luc chapitre 16, verset 13. Donc Jésus déjà signale la séduction due à Mammon depuis Luc chapitre 16, verset 13. Il fait comprendre aux disciples, quelque part, de faire attention à cette séduction-là. Dis à un voisin, fais attention. L'argent que Dieu te donne est en danger. Ta famille est en danger.
Alléluia. Il y a un paragraphe que j'ai oublié de parler, mais je l'ai dit rapidement. Vous savez, parmi les, je vais lire quelques versets qui donnent les conséquences des effets des faux esprits et des faux docteurs. Il y en a plusieurs. On peut aller jusqu'à perdre le salut. On verra les textes. Mais, par exemple, Colossiens chapitre 2, verset 18. Colossiens 2, 18. Donc, les conséquences des séductions. Colossiens 2, 18 dit ceci. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions. Amen. Qu'aucun homme, par un faux culte, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Donc, un faux esprit, un faux docteur, un faux prophète peut enlever ta récompense. Est-ce qu'il est en train d'expliquer? Ce que tu dois gagner avec le Seigneur, tu vas perdre. Tu es un gagneur d'âme, tu es un évangéliste, tu as beaucoup de zèle pour Dieu, mais on va prendre toute ta force, toutes tes capacités, aller les déployer dans des programmes, dans des activités, t'épuiser, vider ta force, même si ce n'est pas ton argent, mais tu penses à quelque chose qui n'aboutira nulle part, qui est une véritable dispersion de tes forces et des grâces que Dieu a déposées dans ta vie. Et il dit, prenez garde qu'on ne vous ravisse pas le prix de la course. Amen. Amen, amen. Galates chapitre 4, verset 9. L'apôtre Paul dit encore, mais à présent, à partir du verset 9, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à des faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. C'est-à-dire, Paul est en train de dire, si vous vous laissez séduire, c'est comme si on a travaillé en vain. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Amen. C'est de ça que je parlais. La séduction peut te faire perdre le prix de ton travail. Ta vie spirituelle, lorsque tu vas au ciel, c'est aussi un fruit. Donc, on peut te faire perdre le salut. Mais tu peux travailler des années, faire des épargnes, et puis un esprit séducteur vient prendre le fruit de ton travail. Je veux dire, ça va jusqu'aux choses simples des finances. Lorsque l'esprit de séduction est entré dans les églises, il y a quelques années, avec l'histoire de placement d'argent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appauvri des églises, appauvri des pasteurs. Plusieurs pasteurs sont partis en prison. C'était une séduction. C'était un esprit qui était derrière. Ce n'était pas Dieu. Moi-même, j'ai failli entrer là-dedans. On me dit, mais tu n'investis pas? Je regardais les gens, je dis, ah, vous êtes sûr? On dit, non, c'est maintenant, on va financer l'œuvre de Dieu, pasteur. Tu donnes 50 000, tu reçois combien? 300 000, 400 000. Tu dois être dedans même. Il y a un pasteur qui est dedans. Quand tu vas même au centre, et ceux qui étaient à la tête de ce mouvement-là, la plupart, c'était des pasteurs, des hommes de Dieu. Et les églises ont suivi le mouvement. Il y a eu de grosses arnaques dans des grandes communautés. Les gens sont venus vous dire, on dit, bon, on va t'envoyer par bateau 2 taxis, 3 taxis. Tu donnes une épargne de 50 000 francs. On met ça de côté, donc tu commences à rêver. Un mois par taxi, 2 mois par taxi, 3, 4, 5, 1 an. Vous voulez poursuivre la personne, elle a disparu. On vient de prendre le fruit de ton travail. Ça ne joue pas sur le salut, c'est parce qu'il va t'empêcher d'aller à l'église. Mais le diable t'épuise. Tu sais, quand tu travailles et puis tu ne peux pas jouir du fruit de ton travail, c'est fatigant. Tu es constamment en train de recommencer. Et donc, plusieurs peuvent être dans une vie de perpétuel recommencement parce qu'ils sont séduits par un esprit. Tu n'es pas dans une fausse communauté, tu n'es pas dans une fausse église, mais il y a un esprit qui te séduit. Il y a un esprit qui te séduit. Dis à un voisin, prends garde. C'est ce dont le Seigneur nous parle, frère. Alléluia. Alléluia. Et donc, un des premiers de ces faux esprits ou de ces esprits faux, c'est l'esprit de Mammon. Il est très dangereux. Il existe depuis l'Ancien Testament.
Il a séduit un grand homme de Dieu dans le livre de Nombres, du nom de Balaam, un grand prophète. Le temps manquera de lire ce passage, mais je vous invite à aller dans Nombres chapitre 13, 14 et de parcourir l'histoire de cet homme. Dans toute la Bible, les Écritures reviennent sur la séduction de Balaam. Il est dit, en parlant de Balaam, que Dieu lui parlait. Il avait la réponse de Dieu. Mais dans son cœur, il aimait l'argent. Je ne dis pas de détester l'argent. Parce que je crois que celui qui fait le contraire aussi, il est quelque part influencé par Mammon. Oui, parce que tu travailles pas pour... Tu ne jouis pas le fruit de ton travail parce que tu ne crois même pas que tu vas avoir un fruit de ton travail. Donc, je dis, un frère qui volontairement, parce qu'il a peur de tomber sous l'esclavage de Mammon, refuse que Dieu lui donne l'argent. Moi, je crois que Mammon l'a eu. Parce qu'il a tellement peur de Mammon qu'à la fin, il ne travaille plus. Il rejette tout ce que Dieu peut mettre dans ses mains comme moyen. Ça aussi, Mammon l'a eu. Et ça, c'est comme ça Mammon m'avait eu la première fois. Où tu es passionné comme Balaam. Le roi Balak vient le voir pour lui dire, voici Israël, maudis ce peuple. Parce que celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Balaam dit, je ne ferai rien sans que l'Éternel ne me l'ait autorisé. Balaam entre en prière. Il dit, Seigneur, est-ce que je dois aller maudire le peuple? Dieu lui dit, ce peuple-là est mon peuple, je les ai bénis. Ne te fais rien. Il se lève et dit aux éléments, et il insiste sur l'argent, je ne comprends pas pourquoi, il dit, quel que soit l'or et l'argent que vous me donnerez, je ne ferai que ce que Dieu me dira de dire. Parce que les gens étaient venus avec des présents. Je crois que le roi Balak le connaissait. Il dit, je vous dis, votre argent ne m'impressionne pas. Je suis quelqu'un qui obéit à Dieu. Or, il était déjà intimidé devant les millions. La nuit, Dieu lui dit, tu ne pars pas. Il se lève le lendemain matin, il dit, allez chez vous, je ne partirai pas. Lorsque les personnes, les envoyés repartent chez le roi, la Bible dit que le roi a augmenté le montant. Et puis ceux qui transportaient l'argent, il a fait venir des princes. Ils sont arrivés. Et les gens ont dit à Balaam que personne ne t'empêche de venir nous voir, de venir faire cela. Balaam, etc., etc. Balaam fait ceci. Balaam lui a dit, je vous ai dit, je ne ferai que ce que Dieu me demande de faire, me demandera de faire. Je vais encore aller consulter le Seigneur. Mais faut-il consulter après que Dieu t'ait parlé clairement? Et la deuxième fois, lorsqu'il consulte Dieu, il entend une voix qui lui dit, va. Dieu lui dit d'aller. C'est Dieu qui a dit. La Bible dit que Dieu s'est révélé à lui et lui a dit de partir. C'est comme ça qu'on commence la séduction. Voilà une séduction. Donc, c'est une séduction, c'est un esprit de séduction parce qu'il y a un moment donné de l'histoire où Dieu même te dit, faut partir. Et vous allez comprendre dans la solution des fausses séductions comment on traite avec cela. Vous savez, quand vous lisez la chute de Balaam, c'est important de comprendre comment travaille l'esprit de Mammon. Vous avez l'impression que Dieu vous dit d'aller. Faites très attention à l'esprit de Mammon. Vous savez, quand on parle de séduction, je dis, la Bible dit, fais attention. Il faut faire attention. C'est pourquoi je vous ai dit, relisez l'histoire de Balaam. La Bible va jusque dans le Nouveau Testament et dit, on va lire le texte, plusieurs sont encore sous l'influence de Balaam, de l'esprit de Balaam. Donc, il a existé jusque dans le Nouveau Testament, jusqu'au temps des apôtres, pas l'individu de Balaam, mais la même séduction. Donc c'est une séduction où vous avez l'impression que Dieu vous parle. Mais vous allez comprendre plus tard à quel moment ce type de choses-là. Où quand tu pries, tu peux même demander des signes. Et tu as l'impression que les signes te confirment que tu dois aller faire. Parce que pour là, il faut que Dieu te casse la tête. Pour que tu comprennes et que tu t'en sortes une bonne fois pour toutes. Mais avant que ta tête ne cogne, espérer que Jésus ne soit pas revenu. L'esprit, Dieu a dit à Balaam, c'est pas un démon, vas-y. Sur le chemin, pendant que Balaam partait, l'âne s'est affaissé, l'âne ne voulait pas passer parce que l'âne voyait un ange qui s'apprêtait à tuer Balaam. Et Balaam voulait frapper son âne et Dieu a donné la voix à l'âne. Et l'âne a dit, mais maître, depuis que tu montes sur mon dos, est-ce que j'étais déjà une fois désobéi? Si tu vois qu'aujourd'hui je n'arrive pas à avancer, demande-moi avant de me frapper. Bon, là, c'est moi qui fais le complément. Amen. L'ange n'a pas dit demande-moi. Il dit, j'étais toujours obéi. Pourquoi tu me frappes cette fois-ci? Pour dire que Balaam était un homme de l'esprit. C'était un homme de l'esprit.
Il savait même que les animaux pouvaient parler. Parce que je crois que la majorité d'entre nous, dès cet instant, quand l'âne se met à parler, nous ne nous sommes pas posé trois questions. D'abord, tu sautes de l'âne. Si tu es courageux, que tu as l'onction, tu le chasses au nom de Jésus. Esprit sort. Si tu n'as pas le courage, tu fuis avant de réfléchir. Mais l'âne a parlé, Balaam, et puis il dit, oui, je vais te tuer. Il dit à l'âne, mais pourquoi tu... L'âne lui répond. Et pendant que l'âne lui parlait, Dieu a ouvert les yeux de Balaam et il voit l'ange qui est assis avec une épée qui s'apprête à le frapper. Il dit, c'est pour te protéger. Alors Balaam dit à la cause de l'ange, il dit, ah, est-ce que j'ai pris un chemin contre pour lequel Dieu n'est pas d'accord? Est-ce que j'ai pris un mauvais chemin? L'ange lui dit, va. Mais quand tu vas arriver, fais ce que je vais te dire. Et Balaam est parti. Donc vous voyez, Dieu l'arrête et puis Dieu le laisse. Dieu l'arrête et puis Dieu le laisse. C'est ça la subtilité de la séduction de Balaam qui est très agissante de nos jours. Ça veut dire que tu glisses quelque part avec une voix comme si Dieu était là-dedans. Alléluia. Bon, alléluia pour Dieu, on veut ça dans notre vie. Au nom de Jésus, que Dieu nous en garde. Amen. Et Balaam va aller. En fait, le problème ne va pas se trouver exactement là. Balaam va arriver et effectivement, il va faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Lorsqu'il va se tenir devant Israël, il va bénir. Parce que quand il voulait parler, Balak lui dit maudit. Il se met là, il dit, dès qu'il veut maudit, comme il était un vrai prophète, la parole passe par lui et puis il commence à bénir. Il dit, ce peuple est choisi. Et Balaam va donner de grandes prophéties qu'il connaît, relatives à l'histoire d'Israël. Il a donné une merveilleuse prophétie. Et quand vous lisez, vous êtes surpris. Dans sa prophétie, Balaam parle de l'avènement de Jésus. Et il dit comment le peuple est béni. Mais dans la suite de l'histoire, dans l'île de Deutéronome, en fait, quand Balaam parle, parce qu'il va essayer plusieurs positions pour maudire, mais ça ne va pas marcher. Parce qu'en temps, le roi mettait seulement, il dit, tu maudis, je te donne. Tu maudis, regarde. Et Balaam, c'est un verset très subtil qui va dire que Balaam va donner un conseil à Balak. Il va lui dire, ce peuple est béni. Tant qu'ils marchent droit, tu ne pourras pas les atteindre. Fais-les pécher. En tout cas, je ne sais pas s'il a dit littéralement, mais en tout cas, il a fait comprendre à Balak quel était le point faible. Il fallait qu'il y ait l'interdit pour que Dieu même arrête Israël. Et c'est ce que Balak va faire. Il va envoyer des jeunes filles séduisantes pour amener le peuple à commettre l'adultère et l'impudicité. Donc la débauche sexuelle est rentrée dans le peuple de Dieu. Et c'est en ce moment-là qu'il y a eu une grande plaie et plusieurs Israéliens sont morts. Donc, la Bible dit que cette séduction-là est venue par le conseil de Balaam. Donc, ce n'est pas dans le moment de la prophétie qu'il a fait l'erreur. Mais c'est que son cœur a commencé à être séduit plus il voyait l'argent. Sa prophétie n'était pas fausse. Mais en fait, Dieu savait qu'à un moment donné, la tentation risquait d'être tellement forte face à ses besoins financiers et l'argent qu'on lui présenterait que même s'il n'allait pas prophétiser le faux, il allait dans ses actions faire du faux. Et c'est ce qu'il a fait. Balaam a toujours prophétisé la vérité, mais son cœur a fini par être corrompu, par être séduit par les finances, les possibilités matérielles qu'on lui présentait, et il a donné un conseil néfaste. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? On en parle par exemple en Apocalypse chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2 verset 15. Il a dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bozor, qui aima le salaire de l'iniquité. 2 Pierre chapitre 1 verset 15. Vous lisez tout le contexte. Le contexte parle des faux prophètes. Il dit ceci. Donc des personnes influencées par les faux esprits, ils disent, ont suivi la voie de Balaam, fils de Bozor, qui, à cause du salaire, a fini par tomber dans le péché. Jude 1, 11 parle encore de lui. Il dit, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Nous sommes dans le Nouveau Testament et la Bible dit encore que dans l'Église, certaines personnes se sont laissées séduire par l'esprit, l'égarement, les doctrines de Balaam. Apocalypse chapitre 2, verset 14 dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Apocalypse chapitre 2, verset 14, donc dit que Balaam
a donné des conseils pour perdre le peuple. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous suivez? Amen. Donc, il faut prendre garde. Tout à l'heure, on va voir comment on traite avec ce type d'esprit. Il faut prendre garde à l'esprit de séduction, à l'esprit de l'amour de l'argent qui est en train d'envahir. Dieu bénit, mais Dieu bénit le travail des mains. Tu peux avoir l'argent. Comment c'est une séduction? La Bible dit, je bénirai le travail de tes mains. Un, c'est une séduction dans le sens, tu ne travailles pas. Tu ne fais pas beaucoup de choses. On vient te promettre, on va te donner de l'argent brusquement comme ça. Ne prends pas. Ne laisse pas ton cœur attiré par ce genre de choses. Ça va te perdre. Crois aux fruits du travail. Dieu bénit le travail de tes mains. Pour rien, tu as assis comme ça. Tu donnes 50 000 francs, 400 000 francs. Est-ce que c'est correct? Dieu multiplie. Mais la Bible dit que les choses du Seigneur arrivent de manière progressive. Tu vois, crois au travail. Ne crois pas à la paresse. Ne pense pas que Dieu, subitement, tu seras assis à la maison parce qu'il y a une prophétie qui est venue à l'église qui a dit, tu prospéreras, tu financeras le royaume. Tes yeux ont commencé à briller, attendant l'accomplissement de la prophétie, étant assis à ta place, mais l'argent va apparaître comment? C'est une séduction. C'est une séduction. Dieu ne bénit pas la paresse. Il faut être travailleur, il faut être excellent, il faut être diligent. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. La Bible dit, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Il faut croire au travail. Il faut croire que l'ouvrier mérite son salaire. Il faut que vous ayez des idées. Il faut que vous travaillez, que vous soyez diligent. L'amour de l'argent va se manifester. Donc, commence par cette paresse-là. Tu vas aller au travail, tu es fonctionnaire, tu n'es pas sérieux avec ton travail. Tu vas au travail toujours tardivement, tu es le premier à rentrer, le premier à demander des jours d'absence. Et tu veux qu'on te maintienne le même salaire. Or, tu sais toi-même que tu n'as pas été diligent, tu n'as pas traité les dossiers. C'est une séduction. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Je vous ai dit, parce que ce n'est pas la mentalité de Jésus. Jésus n'est pas comme ça. C'est une tricherie. Et les premiers à se plaindre, à manifester, voilà, je suis sous-payé. Mais devant Dieu, est-ce que tu es sûr que tu travailles? Tu es enseignant, tu prends le temps de prier pour les élèves. Est-ce que tu donnes le meilleur de toi-même? Ce sont des choses simples. Tu veux moissonner quelque chose que tu n'as pas semé. Tu veux récolter ce que tu n'as pas semé. Tu viens violer un principe selon lequel la loi de la semence et de la moisson. C'est une loi. Quelqu'un est-il avec moi? Viens voisin, prends garde. Prends garde. Prends garde à l'esprit de maman, aujourd'hui qui a envahi les églises. On verra des passages après. La Bible dit des faux prophètes qui font des choses pour un gain. Aujourd'hui, l'esprit de. Un esprit vraiment très mercantile. Il y a toutes sortes de choses. Je ne suis pas contre, excusez-moi, le fait d'aller en Israël de manière touristique. Mais même dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, écoutez, il y en a qui vont dire, je m'en vais en pèlerinage. Dans la Bible, on ne nous parle pas de pèlerinage. Il n'y a pas de pèlerinage. Il n'y a aucun lieu que la Bible détermine dans le Nouveau Testament comme étant sacré. Pour lequel nous devons aller. Ce sujet-là, je vais l'étaler. On va prendre les versets. La Bible dit ceci. Vous savez, pour comprendre la parole de Dieu, pour ne pas être séduit, la Bible dit, n'ajoute rien aux Écritures. Ne retranche rien. Ce que Dieu a dit, il n'a pas oublié ce que tu crois qu'il veut. Il n'a pas oublié. Il n'a pas dit. Ok? Ce n'est pas une omission. C'est sa volonté. Dans Jean chapitre 4, une femme pose la question à Jésus. Elle dit, vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Nous, on dit que c'est sur cette montagne. Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà arrivée. Où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen.
Amen. C'est l'esprit du mal. Vous savez, parce qu'on a vu tous les milliards qui se font avec les musulmans qui vont à la Mecque, les cousins catholiques qui vont dans leur pèlerinage. Alors, il y a une mode dans le monde évangélique parce qu'il y a de l'argent là-dedans. La vérité, ce n'est pas des voyages touristiques. On commence à ramener le culte si tu n'es pas allé devant le mur, si tu n'es pas allé dans l'eau, si on ne t'a pas rempli. C'est tuer le culte de Dieu. L'adoration de Jésus n'est plus du domaine. On n'est plus dans la matière. C'est une adoration en esprit et en vérité. Il n'y a pas un lieu qui est sacré. Je peux, pour ma culture, de manière touristique, aller dans ces endroits, voir la vie que Jésus a menée, voir les endroits dans lesquels ils sont passés. Mais il n'y a pas de culte concernant ce genre de place. Quand je vais arriver dans les fausses doctrines, on en parlera. Prenez garde à ce genre de choses. C'est conduit très souvent par l'esprit de l'argent. Parce que ça fait énormément entrer de l'argent dans les pays, dans les régions qui reçoivent le pèlerinage. Donc tout le monde va dire que un ange a apparu sur le lac. Mais quand on dit qu'un ange a apparu, qu'on a vu une vision, mais les cas, les gens qui partent là-bas, ça fait marcher les commerces, ça fait avancer. Donc vous pensez qu'un jour quelqu'un va venir dire il n'y a plus de vision, que l'ange n'est pas apparu? Ça devient une affaire financière. Et il y a beaucoup de gens qui vivent de cela. Ne tombez pas dans ce genre de séduction. Alléluia. Jésus est présent quand tu le pries ici. Si tu n'es jamais allé à Jérusalem, ce n'est pas grave. On va tous se retrouver au paradis, mon frère. Amen. Garde la foi, garde la vérité. Si tu as l'opportunité d'y aller, gloire à Dieu, visite le pays. Gloire à Dieu. Voilà, ne pas en dire, mon frère, il faut que je sois baptisé. On t'a déjà baptisé ici. Baptise-toi. Si tu es baptisé dans l'eau de, dans le Jourdain, ou qu'on t'a baptisé dans la lagune Ébriée, c'est pareil. Celui qui est baptisé dans le Jourdain et celui qu'on a baptisé dans la lagune Ébriée, celui qui n'y a rien de plus que tu vas avoir parce qu'on t'a baptisé dans le Jourdain. Certains même vont jusqu'à aller se faire rebaptiser. Amen. Prenez garde, il y a beaucoup de choses à dire en ce que l'esprit de séduction qui concerne l'amour de l'argent. Il agit dans beaucoup de domaines, il agit dans beaucoup de choses. Il te fait miroiter. Je te donne les milliards, je te donne ceci, je te donne cela. Prenez garde à cet esprit. Prenez garde. Vous pouvez perdre beaucoup de temps, beaucoup de votre énergie, beaucoup de votre force. Ça ne va pas forcément jouer sur votre salut, mais sur le fruit de votre travail. Amen. J'ai encore d'autres éléments à dire, mais on reviendra là-dessus, certainement ce qui concerne les fausses doctrines, parce qu'on doit avancer. Il y a l'esprit du monde. L'esprit du monde. 1 Jean chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et la convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Amen. Là, c'est l'esprit du monde. Prenons garde aussi. C'est quoi? L'apparence humaine. On va arriver, on va vous prêcher. C'est pas le message de Jésus. Je t'ai béni. Tu vas avoir une grosse voiture, tu vas avoir une grosse villa. Et puis tout le monde rit, tout le monde est content. Ah, demain tu vas avoir une voiture, tu es béni. Voiture. Tu vas voyager, tu vas faire truc. Cet esprit-là amène les croyants à avoir une vision très matérialiste de la marche avec le Seigneur. Prends le temps d'analyser la Bible. As-tu vu Jésus donner ce type d'enseignement? Venez, suivez-moi, vous allez voir les voitures ici. Les voitures. Bon, il n'y a pas de voiture à son époque. Les charrettes, je vous donne les charrettes. Je vous donne les charrettes, BMW, charrette Mercedes, charrette ceci, charrette cela. Charrette cela. Frère, je ne dis pas de rejeter le fait que Dieu vous en donne. Si vous travaillez, que Dieu vous permet d'en acheter, achetez-vous. Si vous avez, vous pouvez construire une belle maison, que Dieu vous offre l'opportunité de vous faire plaisir, faites-le. L'extrême, vous savez, la Bible, c'est un affaire d'équilibre. L'extrême, c'est un rejet de ce que Dieu donne. C'est pas cela. Si vous travaillez, Dieu bénit le fruit de votre travail. Il vous donne l'opportunité de bien construire, faites-le sans problème. Mais courir après ces choses, c'est un esprit de séduction.
ça vous fait aimer le monde, ça vous fait aimer la jalousie, ça va créer en vous de la jalousie, l'esprit de convoitise, l'esprit d'envie. Au lieu de vous concentrer sur les choses d'en haut, vous focalisez sur les choses d'en bas. C'est un détournement de la focalisation de l'évangile. C'est une séduction. C'est une séduction. Il faut faire attention. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Cherchons le Seigneur. Approchons-nous de Dieu. Faisons la volonté du Seigneur. Alléluia. Mes amis, je vous ai dit Dieu béni. Mercredi dernier, j'ai dit ceci. Jean-Baptiste est venu en haillant Jésus. A dit, il était de moi. Il dit, Jean-Baptiste est venu sans vêtements. Vous avez dit qu'il a un démon. Moi aussi, j'arrive. Je mange, je bois. Je vis bien. Vous dites aussi que j'ai un démon. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pour dire que je vous explique la dernière fois que ce que Dieu attend de nous, c'est de ne pas être attaché. De ne pas être attaché aux choses. Il dit, il n'y a personne qui ayant quitté son argent, sa maison, ne les obtienne multipliés par 100 sur la terre et en plus le royaume des cieux. Mais ce qu'il fait ressortir d'abord, c'est le fait de ne pas être attaché à ces choses. Je peux les offrir à Dieu s'il le demande. Je ne suis pas attaché. Ma vie ne dépend pas des biens que je possède. Ma vie dépend du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si vous croyez dans le travail, si vous croyez dans le ressort du travail, si vous croyez dans ces choses, Dieu fait grâce. C'est aussi des faveurs qu'il vous a accordées de pouvoir être placé, d'avoir une maison, que son nom soit béni. Mais s'il vient apprendre parce qu'on passe par un moment de persécution, cela ne doit aucunement jouer sur votre foi parce que vous n'êtes pas attaché à ces choses. Amen. Amen, amen, amen. Prenons garde donc à l'esprit du monde. Un esprit encore qui est dangereux, l'esprit de divination, l'esprit de Python. Là, c'est pour ceux, vous savez, la plus d'esprit de séduction. Ceux qui aiment le monde, qui ne sont pas bien convertis, là, ils trouvent leur bonheur. Tu vas à l'argent, tu vas avoir 4 voitures, tu vas voyager. Oh, ils aiment ça. Et ils rentrent dans des séductions. Après cela, ils peuvent être escroqués, abusés de tout ça. Ça fait tendance, ça fait mode. Et des bons prédicateurs aussi en parlent. Okay? Un esprit ne veut pas dire que l'homme qui en parle est faux. Mais c'est une tendance. Comme les esprits, les disciples ont été animés la tendance d'invoquer le feu qui maudit les gens, Jésus a dit non, ça c'est pas mon esprit, je ne fonctionne pas comme ça. Donc il faut que vous regardiez comment Christ fonctionne. Et ça va dire, attention, si Jésus était là et puis il prêchait comme ça, moi j'allais trouver ça anormal. Donc pour sentir ça, imagine Jésus dans ce type de prédication et tu vois si ça correspond à sa façon d'être. Amen. Amen, amen, amen. Prenez garde aux esprits de séduction. Là, on va rentrer maintenant dans des personnes qui sont plus spirituelles, qui recherchent les choses profondes. Ceux-là peuvent tomber dans ce genre de séduction en ce qui concerne, par exemple, l'esprit de Python, c'est-à-dire la recherche du sensationnel, du miraculeux, la recherche des révélations. Des personnes qui n'arrivent pas à prendre leur responsabilité spirituelle pour analyser la parole de Dieu, mais qui veulent qu'on leur prophétise matin, midi et soir, s'ils doivent se lever, s'ils doivent se coucher, qui doivent marier, qui ne doivent pas marier. S'ils veulent travailler dans une entreprise, est-ce qu'ils doivent aller voir la prophétesse? Prophétesse, dis-nous. Il y a telle personne qui veut me marier. Prophétesse, dis-moi. Et maintenant, tu laisses ta vie dirigée par un ensemble de choses. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16, c'est là qu'il est question de l'esprit de Python, qui est un esprit de fausse prophétie. Et rappelle-toi que Christ a dit, prenez garde aux faux prophètes. Il a dit, comme nous allions dans un lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut. Ils annoncent la voie du salut. Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je te l'ordonne, au nom de Jésus, sors d'elle. Et à l'instant même, l'esprit sortit. Regardez cet esprit, il vient prophétiser des choses justes, c'est pas vrai? Et c'est là la subtilité avec l'esprit de Python ou tout esprit de séduction. Il dit, écoutez ces gens, ils vous parlent de la parole de Dieu. Mais l'esprit qui disait d'écouter Paul, il va dire, mais Paul, voilà une évangéliste, la sœur, d'autres l'ont appelée prophétesse parce qu'elle était dans la ville pendant 3 jours. Dieu est présent, ces gens ont l'esprit de Dieu dans leur vie, écoutez-les, ils vous parlent de Dieu. Mais c'était une séduction. L'esprit de Python et les faux prophéties ont la particularité de te donner d'abord du vrai. Il n'y a pas de séduction sans le vrai là-dedans. C'est-à-dire, toute séduction
est basée sur du vrai et puis un peu de faux. Mais très souvent, une séduction est d'autant plus forte qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup plus de vérité dans ce que la personne est en train de dire. Et l'esprit de Python, moi qui a failli je vous ai plusieurs fois raconté ça, j'ai été victime. En tout cas, moi j'ai été victime de beaucoup de choses, vous savez. Mais Dieu fait grâce. Alléluia. Voilà, c'est pour vous dire, il ne faut pas être désespéré. Dis à quelqu'un, il ne faut pas être désespéré. Financièrement, j'ai perdu beaucoup d'argent. Inconsciemment, je pensais que j'avais compris cette histoire. Je suis tombé un peu facilement dans l'amour de l'argent avant de réaliser. Et puis j'ai vu que la vie simplement, j'avais commencé à voir Dieu béni, Dieu pourvoir aux besoins. Amen. Dieu faire des choses. Dieu me donner d'agir de manière excellente. Dieu pourvoir de manière extraordinaire, mais sans artifice particulier. Je dis, je reviendrai là-dessus, sur ce point. Amen. Mais l'esprit de Python, bon, je raconte souvent, j'étais en ce moment jeune chrétien, très zélé, rempli du Saint-Esprit, à la recherche du sensationnel. Et je retombe sur une dame. Et dans la vie de Gagnois, elle prophétisait. Je l'ai rencontrée parce qu'on m'a dit, il y a une soeur qui a une cellule, elle demandait ce qu'il y a des frères qui peuvent venir diriger la cellule. Frère, j'étais zélé. Je priais beaucoup, je jeûnais beaucoup. Et je suis parti rencontrer cette dame avec un ami, un jeune ami. On a discuté avec elle. Elle nous a dit, vraiment, elle sent qu'on doit conduire sa cellule. Moi-même, quand elle parlait, quand elle me découvrait sa communion avec Jésus, elle me dit, le Saint-Esprit me parle. Tellement le Saint-Esprit lui parlait. Et moi, j'aimais les gens à qui Dieu parlait. Dieu lui parle. Parce que moi-même, j'aspirais à ce que Dieu me parle 24 heures sur 24. Et tellement Dieu lui parlait. Et quand elle disait, Dieu m'a dit, ne va pas là. J'étais arrivé, je m'apprêtais à aller en France. Dieu m'a dit, reste ici. J'avais les larmes aux yeux. Je dis, Dieu lui parle comme ça. Moi, je veux que Dieu me parle comme ça. Oh, c'est là la séduction. Vous savez, quand quelqu'un dit, faut faire, Dieu m'a dit. On va voir tout à l'heure. Moi, j'étais déjà aveuglé. Mon ami qui était là était beaucoup plus fort spirituellement que moi. Il a accepté, mais il était plus méfiant. Et la dame l'a proposé. Mon ami me dit, bon. Je lui ai dit, c'est vrai, on ne peut pas faire quelque chose sans que Dieu nous ait autorisé. Et on va dans la prière, nous prions ensemble. Et dans notre corps, on a la conviction qu'on peut aller travailler avec elle. Dieu l'a fait pour mon expérience, pour que j'apprenne. On va bosser avec la dame. On commence les cellules, je prêche, le Saint-Esprit est présent, Dieu guérit les personnes, c'est vraiment fort. Et mon ami remarque qu'il y a des choses qui peuvent être un peu bizarres. Mais moi, je ne voyais rien, j'étais très aveuglé. Jusqu'à ce que, mais en fait, c'était bizarre, l'esprit de Python, il voit vraiment les sorciers partout. Et l'esprit de Python, lorsque vous finissez par l'accepter dans votre vie, c'est ce qu'elle voulait faire avec l'apôtre Paul, je te donne d'abord le vrai, je te donne d'abord de vraies révélations, et après, je te rends dépendant de mes révélations. Un esprit de Python va vous rendre dépendant. Or, la Bible nous dit, on va voir, la Bible dit, éprouvez tout esprit. Dans le livre de 1 Corinthiens 14, il est dit, écoutez les prophéties, jugez les prophéties. Dieu ne dit pas, avalez tout. La Bible, ce qui est écrit, c'est juger. L'esprit de Python ne veut pas qu'on juge. Quand Dieu parle, Dieu a parlé. Il n'y a rien ajouté, il n'y a rien étranger. Mais c'est que toi, tu es homme. Entre la parole que tu as reçue et ce qui sort de ta bouche, qui a dit que tu n'as rien ajouté à l'intérieur? 1 Corinthiens 14 dit, écoutez les prophéties, jugez-les. Un chrétien qui ne juge pas une prophétie qu'on lui donne est sur le bord de se tromper et de suivre un esprit de séduction. Parce que la personne vient et tremble. Je dis, Dieu me dit, ne te laisse même pas impressionner par les trembleurs. Tout ça, c'est de l'intimidation. Soyez sereins. Toi aussi, tu as donné ta vie à Jésus. Nous avons le même Saint-Esprit. L'esprit qui est sur passé sans ego n'est pas plus grand que ce qui est en toi. Tu es né de nouveau. La seule différence, peut-être j'ai un peu plus d'expérience dans la foi. C'est l'expérience. Mais on marche avec le même Dieu. Et cette femme me parlait, j'étais tellement Dieu lui parlait. Donc comme toi tu crains Dieu, tu te dis que les gens n'ont pas le courage de dire Dieu leur a dit quand Dieu leur a pas dit. Oh, les gens n'ont pas peur de Dieu. Toi tu crois que là maintenant tu crains Dieu, tu peux pas dire quelque chose de la part de Dieu. Tu crois que tout le monde a peur. Les gens n'ont pas peur de Dieu. On te dit Dieu m'a dit, Dieu leur a rien dit. Parce que lorsqu'on dit Dieu a dit, ça le fait d'anesthésier tout le monde. Quand on te dit Dieu a dit. Oui, qu'est-ce que Dieu dit? Alors elle a commencé comme ça. Dieu dit, lui-là, c'est un sorcier. Lui-là, c'est ceci. Lui-là, et puis elle voyait plein de sorciers.
Et en ce moment, je n'avais pas ça, la période où je lisais le livre de Rebecca Brown. Donc, elle aussi, elle voyait plein de sorciers. Donc, et à la fin, Dieu m'a fait grâce. Je fais un songe dans lequel je vois que je pars à une campagne d'évangélisation. Et puis, j'ai oublié un pied de chaussure quelque part. Je retourne pour aller chercher mon pied de chaussure. J'étais avec mon ami avec qui nous sommes partis au programme. Et quand je vais chercher, je rencontre une dame là-bas qui ne ressemble pas à la dame dont je parlais, mais je vois une dame qui m'hypnotise, qui m'envoûte, et je suis vaincu, je suis par terre. Mais quand elle m'envoûtait, je la voyais, je voulais la lier au nom de Jésus. Je dis, au nom de Jésus, tu vas voir. Et elle me regardait et ma prière n'avait pas d'effet. Quand je suis tombé, j'étais vaincu. Je dis, bon, ah, Odile André, le nom de Jésus ne marche pas comme je souhaitais. Donc si elle me relâche, je vais fuir et puis après je vais réfléchir. Donc, quand sa puissance est retirée de moi, je me suis échappé dans le rêve. J'ai pu m'échapper. Je suis sorti de son emprise et je n'ai pas compris. Le lendemain, j'ai expliqué même à la sœur. Je dis, mais j'ai fait un rêve comme ça là. Bon, bref, elle a expliqué beaucoup de choses. Mon pasteur va apprendre ça. Il va nous dire, arrêtez de travailler avec cette personne. C'était très difficile parce que j'aimais beaucoup la dame. Je suis parti, j'ai fait une prière à Dieu et Dieu va nous convaincre d'obéir au pasteur. On va faire ce que le pasteur va dire. Mais j'ai obéi à contre-cœur. C'est plus tard. Cet esprit-là va détruire la vie de cette femme, détruire la vie de sa fille. Elle va finir par dire que moi-même qui étais avec elle, nous on était des sorciers. L'esprit de Python finit par détruire. Il te possède, il va te donner qui est ton mari, il va te dire comment gérer tes enfants, comment gérer ton argent. Ce n'est pas de Dieu. Dieu ne va pas venir contrôler ta conscience. Dieu donne toujours à l'homme la liberté de choisir. Il n'y a aucune... Écoutez, j'expliquais à des personnes aujourd'hui, j'ai dit ceci, faites attention. Dieu n'impose pas. Dieu suscite l'adhésion. Dieu t'enseigne et il te donne l'aptitude de choisir, pas de contrôler. Même pour donner Ève à Adam, Dieu n'a pas imposé. Le mariage, Dieu n'impose pas. Lisez l'histoire. Dieu a amené Adam à choisir entre tous les animaux. Et Adam a choisi Ève. Dieu, lorsque Adam s'est relevé de son profond sommeil, Dieu n'a pas dit voilà ta femme. C'est Adam d'abord qui la reconnaît. Il dit celle-là, c'est os de mes os, chair de ma chair. Donc vous ne voyez pas Dieu qui dit Adam, marie cette personne. Donc tout esprit d'obligation est très l'esprit de Python. Dieu ne le fait pas. Vous ne verrez pas dans la Bible où Dieu te contraint. Il te pose toujours, fais le choix. Pourquoi c'est important? Vous savez, nous ne sommes pas des anges. Nous ne sommes pas des animaux. Les animaux font ce qui est écrit dans leur conscience. Ils agissent toujours comme ça. Les anges obéissent directement. C'est la raison pour laquelle lorsque Satan et les démons ont désobéi, il n'y a plus de possibilité en eux de repentance. Parce qu'ils n'ont pas de moteur de retour. Nous, en fait, on est... Dieu nous donne cette liberté de choisir, de nous tromper. Et puis de revenir. D'analyser. De juger. C'est ce qui fait la richesse et la valeur de l'homme. C'est ce qui fait qu'il n'est pas un ange. L'esprit de Python ou bien les prophéties intempestives vont vous amener à vous comporter, à chercher à être des anges. Sans capacité d'hésitation. En disant non, Dieu doit totalement prendre le contrôle. Dieu doit prendre le contrôle. Mais Dieu, même en prenant le contrôle, ne va pas tuer ta conscience. Non. Il ne tue pas ce qu'il a créé. Mais Dieu t'amène à l'adorer parce que tu l'admires, parce que tu l'apprécies et tu fais ses choix. Et j'expliquais à des personnes, je dis, vous voyez, il y a une différence entre si je viens te voir et puis je te dis, c'est mon anniversaire, donne-moi un cadeau, je veux une voiture, une Mercedes. Donne-moi ça, c'est ce que tu dois faire. Je suis ton boss. Et tu viens, tu dis, patron, tu as raison, voilà ta voiture. Ok. Ça peut me faire un peu plaisir. Mais maintenant, suppose quelqu'un d'autre à qui tu n'as pas contraint, que tu n'as pas contraint, mais qui t'observe. Et qui commence à sentir ton cœur, ton désir, sans que tu lui dises, tu ne pensais même pas, et viens, puis il t'offre la voiture. Qu'est-ce qui fait plus plaisir? C'est la surprise, c'est ce qui est venu de manière volontaire. C'est ça la particularité de l'homme. Dieu veut qu'on l'adore, qu'on l'observe, qu'on le contemple, et qu'on commence à comprendre qu'est-ce qu'il aime. Et qu'on fasse le choix de faire ce qu'il approuve. Donc il ne vient pas nous dire, fais ça parce que j'aime. Il a envie que c'est de toi-même que tu comprennes que tu dois plus prier. Il va venir te dire une fois, prie, parce que c'est nécessaire. Mais il faut que ta volonté accepte de prier. Il veut que tu comprennes que c'est nécessaire. Or, les anges sont déjà programmés. Les animaux sont programmés. Mais l'homme n'est pas programmé. C'est ce qui fait sa valeur. Alors, son culte est spécial. Parce que lorsqu'il décide d'adorer,
C'est vraiment son âme qui a décidé de le faire. Et ça a de la valeur. Alléluia. Quelqu'un dit un bon amen à Jésus. Alors la liberté de choisir, ne badinez pas avec ça. Lorsque des personnes sous un prétexte de prophétie ou d'esprit de Dieu veulent te contraindre, où tu vas te marier, où tu vas partir, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Même dans les proverbes, il dit ceci, dans 1 Corinthiens 14, il dit ceci, si quelqu'un prophétise, qu'il y a beaucoup de prophétie, il dit, il peut se taire. L'esprit, tu peux te taire avec la prophétie. Dieu te dit, tu peux te taire et puis savoir la placer au bon moment. Il dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc, Dieu te donne un message, mais il n'y a pas l'instant où il te contrôle. Où tu dis, je ne peux pas, ma bouche ne peut pas se fermer. Ma bouche, non. Ta bouche, si tu veux, ça peut se fermer. Et si tu veux, tu peux parler. Maintenant, est-ce que tu comprends que c'est important d'obéir à Dieu? Est-ce que tu comprends que c'est important de dire ce que Dieu te demande de dire? Il va t'éduquer pour, mais pas te contraindre à. Il arrive que Dieu contraigne. Ça arrive, comme il a fait pour l'âne. Ce sont des cas rares. Le vrai culte, c'est le culte volontaire. Ce qui n'est pas imposé. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Donc, il ne faut pas attendre à ce que Dieu me dise comment on doit prier. Dieu me dise quand je dois gêner. Non. Lève-toi, tu as envie de. Tu dis, je vais offrir 3 jours de jeûne à Dieu. C'est volontaire et tu le fais parce que ça va lui faire plaisir. Le Saint-Esprit peut te dire de le faire. Tu es libre de le faire. Mais il faut le faire. C'est ça, obéir à Dieu. C'est faire ce qu'il attend de toi. Amen, amen. Ah, je pensais que j'aurais été beaucoup plus loin que cela. Donc, l'esprit de divination, je n'ai même pas touché le plus gros que j'appelle l'esprit de la séduction des temps de la fin. Et puis après, je pensais toucher aujourd'hui comment discerner les esprits faux. Permettez, je vais juste citer, je reviendrai là-dessus la prochaine fois. Amen. Et je vais montrer avec les versets à l'appui. On a beaucoup de choses à dire là-dessus. J'exhorte ceux qui veulent aller un peu plus loin à prendre la série d'enseignements que j'ai donné à l'académie. Un des premiers cours de l'académie a concerné les faux prophètes et les faux docteurs. Donc je reviens en détail sur certaines doctrines, certains éléments. Mais mes amis, prenons garde. La séduction dans le monde, elle est subtile. Elle est pernicieuse. Amen. Quel que soit l'esprit dont je parle de la fin, la Bible dit en 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venues de nous. Vous voyez, Jésus dit de ne pas se laisser troubler. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à ce soit dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses? Et maintenant vous savez ce qui le retient. Amen. Je crois que je n'ai pas marqué cette référence. Mais quand vous continuez, il est dit que cet esprit-là va arriver à séduire beaucoup de croyants parce que les gens n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc vous lisez 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 18. La Bible nous parle d'une séduction qui va arriver dans la fin des temps. Mais voici les éléments sur lesquels nous reviendrons par la grâce de Dieu. Comment discerner les esprits faux? Premièrement, ayez un cœur honnête et pur. Amen. Deuxième chose, ne vous laissez pas impressionner, mais éprouvez les esprits. Troisième, référez-vous à la parole de Dieu dans la prière. Quatrième, considérez le fruit de leur vie. Première chose, ayez un cœur honnête et pur. Deuxième, ne vous laissez pas impressionner, mais éprouvez-les. Troisième chose, référez-vous à la parole de Dieu dans la prière. Quatrième, considérez le fruit de leur vie. Première chose, Luc chapitre 12, verset 1. Il est dit, sur ces entrefaits, les gens s'étant assemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire aux disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Avant tout. Ce texte de Luc chapitre 12 verset 1 parle aussi des faux docteurs. Mais c'est que le Seigneur dit, avant tout. Parce qu'il explique dans ce Luc 12 comment on discerne les faux docteurs. Et Jésus dit ceci, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Amen. L'esprit de séduction qui va venir dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 dit que les hommes seront séduits parce qu'ils n'aiment pas la vérité dans le cœur. Amen. Ce qui rend les personnes fragiles aux esprits de Python,
aux démons séducteurs, c'est le fait que certaines personnes, dans leur cœur profond, n'aiment pas la vérité de l'évangile. Et ces gens-là finissent par entendre ce qu'ils souhaitent entendre. Ça, c'est la séduction des temps de la fin. La Bible dit, tu ne commettras pas l'impudicité. Au lieu d'être honnête avec Dieu pour qu'il te délivre de l'impudicité, tu commences par justifier. Mais à un moment donné, un esprit va te parler pour te dire qu'un homme de Dieu ne peut pas avoir quatre femmes. Hier, j'écoutais un article d'un pasteur quelque part au Congo là-bas qui dit, non, Dieu peut avoir 1000 femmes. Et puis, il justifiait. Mais c'est une séduction. Et il y a des gens qui le suivent. Et ils prêchent la Bible. Vous savez d'où ça vient? Il avait un lien avec l'impudicité. Je peux le dire. C'est comme ça se passe. Des frères sont liés. Ils vivent, mais ils ne sont pas honnêtes. Ils arrivent dans l'église. Ils ne sont pas honnêtes. Donc, le problème n'est pas jamais traité. Leur cœur n'est pas pur. C'est ce qu'il dit. Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est le fait de présenter ce qu'on n'est pas. C'est la première faille qui amène une personne à être séduite. Il faut être honnête. La Bible dit, présente les choses de manière précise. Ne convoite pas. Ne fais pas ceci. Si ce qui est écrit, tu ne l'aimes pas, sans sens que tu vas tomber dans la séduction de Balaam. Amen. Tu ne traites pas avec ces éléments-là. Tu ne traites pas avec les péchés qui ont triomphé de toi. Mais tu finiras par te laisser séduire. Alléluia. Que Dieu nous aide. Ayez, frère, un cœur pur. Soyez honnête avec Dieu. Quand vous arrivez à l'église et que Dieu touche des thèmes, il y a des personnes, vous allez arriver, ils connaissent leur vie. Tu connais ta vie. Mais tu veux faire semblant, jouer au bishop dans l'église, au pasteur. Oh, tu sais que tu te tiens, problème à la masturbation. Au Dieu même, il y a des chrétiens même qui commencent à justifier qu'on peut se masturber. Frère, c'est un péché. C'est un péché. Parce que quand tu fais la masturbation, tu penses à quoi? La Bible dit que si quelqu'un a imaginé l'adultère, il a commis une impudicité. Ça là, c'est pas écrit. Ou bien quand tu fais la masturbation, tu ne penses pas à l'adultère? On dit non, c'est mon propre corps. Mais dans ce cas aussi, la cigarette aussi, c'est le propre corps. La drogue aussi, c'est le propre corps. Alors, quand vous commencez à aimer des hérésies, la parole est claire. Que vous n'êtes pas d'accord avec l'évangile, vous êtes susceptible d'accepter une séduction selon 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il faut aimer la vérité. Si j'ai un lien, Seigneur, fais-moi grâce. Je ne vais pas chercher à trouver un argument pour justifier ce que je fais. Ton cœur est jaloux. Quand les gens sont bénis, ça te fait mal. Ça, c'est un problème. Mais tu ne vas pas commencer à justifier ton esprit de convoitise. À la fin, tu vas finir par avoir des fausses prophéties. Tu vas finir par aimer le monde. Tu vas finir par être jaloux, par rechercher le matériel. Parce que tu n'es pas honnête. Et tu ne laisses pas Christ transformer ton intérieur de manière véritable. On est plus facilement séduit lorsqu'on n'a pas un cœur honnête avec Dieu. Lorsque Dieu met le doigt sur un problème dans la maison de Dieu, et tu vois que c'est écrit, mets-toi à genoux. Dis Seigneur, aide-moi. Sois honnête. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. C'est-à-dire faire semblant. Présenter ce que tu n'es pas. Tu joues au pieux, tu n'es pas pieux. Tu joues au prieur. C'est toi qui viens à l'église. Priez. Vous dans la vie, vous ne priez pas. Toi-même, tu ne pries pas à la maison. Tu mens. Tu mens. Alléluia. 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 Je vais revenir là-dessus. Ne vous laissez pas impressionner par les fausses prophètes, par les prophètes. Il y a un temps, je dis, la Bible parle des chrétiens de Béret. Ils analysaient tout avec la parole de Dieu. Frère, quel que soit le nom ou l'impression que je peux avoir, je suis un homme, je peux me tromper. Parce que ça n'augure, moi. Quand tu viens, éprouve tout ce que je dis à la lumière des Saintes Écritures. Prends la Bible, va la lire. Si vous ne vous cultivez pas dans l'analyse personnelle, dans la fouille des Saintes Écritures, on va vous tromper. On va vous tromper. L'apôtre Pierre s'est trompé. C'est Paul qui l'a repris. Le grand apôtre Pierre. Donc, si le grand apôtre Pierre peut se tromper, et moi-même, ça nous. Mes amis, nous ne sommes pas invulnérables. Nous devons, soyons humbles devant la parole de Dieu. Amen. Je vais encore développer ce sujet parce que je suis loin d'avoir fini. On va
va encore aller sur cette mise en garde. Il y a des choses très subtiles. J'ai survolé beaucoup d'aspects. Mais je voulais achever avec ça. La Bible dit de juger de tout. Pas dans le sens critique. Ayez un cœur humble. Quelqu'un parle, quelqu'un donne une prophétie. Il dit, Dieu m'a dit de te dire, j'ai un épris. Tu dis, j'ai compris. Donne-moi le temps. Moi-même, je n'ai pas encore la conviction. Laisse-moi aller prier. Comment il peut te donner une directive? Et si ce n'est pas Dieu? Et tu as l'impression que si tu n'as pas prié, tu as désobéi à Dieu. Mais est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que toi-même tu as la conviction? C'est l'intimidation qui fait que tu vas aller faire ça. Il va commencer par, va prier. Ça, c'est juste. Après, il va finir par dire, voilà ton mari. Obéis à Dieu! Obéis à Dieu. N'aie pas peur. La Bible dit, n'ayez pas foi en tout esprit, mais éprouvez-les. C'est ce que la Bible dit, pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc, quand même c'est le Saint-Esprit, puis tu le prouves, le Saint-Esprit est content. C'est un démon qui, lorsqu'il est éprouvé, se sent vexé. Tu veux du quoi par là? Que ce n'est pas Dieu qui parle par moi? Ça, ce n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Dis à ton voisin, prends garde de ne pas être séduit. Alléluia. Prends garde que personne ne te séduise. Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur, fais-nous grâce. 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 Apprends-nous à être des hommes attachés à ta parole. Apprends-nous, en ces temps de la fin, beaucoup d'intimidation, à ne pas être des personnes intimidables, mais qui analysent les choses à la lumière des Saintes Écritures. Apprends-nous à ne pas tomber dans la séduction. Tu as dit, prenez garde. Et tout tes serviteurs sont revenus sur le sujet. Je t'en supplie. Seigneur, c'est vrai, nous n'avons pas tout dit. Mais garde ton peuple dans la sainteté. Garde ton peuple dans la vérité. Permets à ce que nous puissions développer ce sujet à fond. Merci à l'appui. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au siècle des siècles. Dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen.